et on remarque sur l'écran que la caméra a repéré la cible. Et par exemple sur la dent, qu'on est bien au bon endroit sur la dent. Donc là par contre on est sur nos forages, donc on va commencer à vraiment être précis.
On a vissé les analogues, les répliques d'implants, sur ce porte-empreinte préparé à l'avance, qui aurait pu aussi nous servir de guide chirurgical. On réadapte sur l'empreinte qui a été préparée. Donc, on a dévissé et on va déposer le guide en essayant de ne pas abîmer la fausse gencive. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon. And if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like bugs when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon. Angels, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Go.
C'est bien. J'ai rien senti en plus. Vous n'êtes pas déçu ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non. J'ai été très bien entourée. Je suis arrivée, c'était pas triste quoi. Il fallait le faire. Ben moi, je pensais qu'on aurait, enfin, je veux dire, avoir du mal en enlevant les dents, parce que là, j'ai rien senti. Vous avez tout enlevé, là, j'ai rien senti du tout. Hein. Bon, je savais. Alors, le plus gênant, ce qui m'a gêné, c'est de bruit. Enfin, je sais pas si c'est une perceuse. C'est le bruit de cette perceuse. Donc, c'est ça qui m'a gêné. Qui... On entend les bruits, quoi. Voilà. Bon, je sais où vous êtes. Hein, et puis après, il y a un moment, je ne savais plus où vous étiez. Donc, vous vous sentez prête à aller faire un sourire à votre mari? On peut essayer. Il faut penser à toi-même. Et puis, après, quand on n'est pas bien soigné pour les dents, après, c'est tout le corps qui ne va pas, quoi. J'ai du mal à sourire, moi, des fois. Je sourirais peut-être un petit peu plus.